lyonnaise et fière de l'être. Nous vivons depuis des années une aventure extraordinaire aux côtés de nos compatriotes. Des personnes qui choisissent nos marques chaque jour. Des personnes attachées à nos valeurs communes. Des personnes partageant notre profond amour pour notre nation et cet esprit indomptable qui nous permet d'atteindre nos rêves et nous donne la force de ne jamais reculer. Notre histoire les inspire. Et année après année, chaque jour, leur histoire nous inspire. Alors que nous levons nos verres à l'occasion de la 50e année du CB, nous levons aussi nos verres à chacun de ces Camerounais qui fait notre fierté. À vous, à un futur brillant pour tous. Bravo Cameroun. Trinquons avec fierté. La grande messe du football mondial se joue au Qatar, mais aussi au Cameroun, avec le 12e joueur. Je préfère regarder le match dans notre beau pays, le Cameroun, parce que même si il faut aller au Qatar, on n'a pas les moyens. Pas suffisant pour s'éloigner des 64 matchs, à chacun sa stratégie. Le 20, je vais regarder le mondial chez moi-même, vu que c'est un jour de repos pour moi, le dimanche, le week-end en fait. Les autres jours, je pourrais regarder ça au travail, à mon lieu de travail, parce qu'il y a la télé, comme vous le voyez. Ouais. Les débits de boissons semblent les plus sollicités. Football rime aussi avec ambiance. Il y a un mini-bar là-bas en face de moi. Bon, je m'en vais là-bas, je prends ma place et je prends mes une bière. Je préfère regarder le match dans les bars, dans les snacks, parce qu'en principe, c'est plus mouvementé. Et c'est relax en fait, c'est ça. Même dans une boîte, non. Bon, parce que là-bas, il y a la musique, il y a l'ambiance. Et donc, avec l'ambiance, oui, là où je suis à l'aise, même dans mes choses, quoi. Mais j'ai déjà choisi mon coin, là où je vais visionner, en prenant quelque chose. Je me vois, je bois bien, bien propre, sans dandiner. Oui, c'est vrai. Par contre, d'autres fans de foot suivront les rencontres à domicile. Je préfère la maison parce que c'est calme et puis je vais suivre les commentaires à la télévision ou pas. Contrairement au bar, on n'écoute rien, trop de bruit au bar. À la maison, parce que j'aime vivre en famille. C'est en famille, non, il y a tout le monde, on va créer l'émotion, tous ensemble, ça sera bien. La maison, parce que là-bas, c'est plus calme. Je n'aime pas voir le match au bar, trop de bruit. On peut casser même la bouteille sur ma tête. Des arguments peu convaincants pour ce sexagénaire qui a une mauvaise expérience des visionnages en famille. Je suis rendu à la maison. Oui, l'autre dit qu'il veut voir seulement le Tintin et que moi, je veux voir mon match dans le grand écran. Il me dérange. Je préfère les isoler ça. Je vais pas avec mes amis dans le bar. Je vois mon match tranquillement. S'il y a une bière, on coupe. On n'en peut même pas d'abord manquer. Loin des familles, loin des bars, des espaces spéciaux sont aménagés pour la compétition. Juste parce que dans les fan zones, on se retrouve entre amis. Et il y a plus d'ambiance. Et puis, c'est le temps pour nous de partager quelques verres entre amis et pour suivre les matchs. Nous, on a nos débats qui sont toujours chauds, surtout quand il y a le foot là. Donc du coup, entre amis là, c'est ça qui me va. Et dans ces dispositions particulières, il y en a qui seront partout. Ah, n'importe où, hein. Où le match me trouve, je regarde, même si c'est en route d'un bar, il n'y a pas de problème. Pendant un mois, débit de boissons, fan zone, domicile privé vibreront au rythme de la Coupe du Monde 2022, de grands moments de régal. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality.
Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31. À Yaoundé au 651 15 27 27. Boa, go to Doha.